On est à la résidence L'Oiseau Bleu. Qu'est-ce que vous êtes venu faire aujourd'hui là, à la résidence pour expliquer un petit peu aux gens qui nous écoutent? Bien, on est dans la livraison des cartes de Noël, comme on avait dit. Donc, on a commencé déjà à partir de la semaine passée. Donc, on a beaucoup de petits lutins qui sont venus avec nous pour faire la livraison. Donc, aujourd'hui, on est avec l'école Les Sources pour faire cette livraison-là. Vous êtes rendu où? Donc, est-ce que vous avez plusieurs résidences de fait? Vous êtes allé où? Il vous reste combien de personnes à aller voir, par exemple, à partir d'aujourd'hui? Là? On a plus de la moitié déjà des livraisons de fait. Si on peut parler déjà même en nombre de lettres qu'on a reçues, on a reçu 474 cartes et lettres ensemble. Puis de ça, 335 ont été livrées en main propre, comme on le fait aujourd'hui. Fait qu'aujourd'hui même, là, on a plus de la moitié des lettres de données en main propre. Tantôt, on a été ensemble à deux chambres. Les gens, tu sais, nous attendent, sont vraiment contents. Est-ce que vous pouvez me parler un peu de justement la réaction des gens? Comment ça se passe, là? Bien, c'est toujours magique de chaque personne qu'on rencontre, finalement. C'est vraiment un beau moment. C'est vraiment... chaque personne est contente. Beaucoup nous ont dit que c'est la seule carte qu'on a reçue cette année. Donc, c'est vraiment... on a fait vraiment une différence. Puis autant nous qui avons créé ce mouvement-là que les gens qui ont pris la peine de l'écrire aussi. Donc, ont fait cette différence-là. Là. C'était une première expérience cette année. Est-ce que vous comptez le répéter avec le succès de cette année, si on peut dire ça comme ça? Absolument, on va le répéter dans les prochaines années. Voir l'engouement des gens et la magie qui se crée au travers de ce projet-là, ça va devenir une activité annuelle, là. Puis c'est drôle parce qu'en même temps, il y a même des gens qui nous ont téléphoné au bureau parce qu'il y a des cartes qui ont été remises en personne, mais aussi des cartes qui ont été envoyées par la poste. On a les retours par la poste, puis les gens sont très émus. Puis sont très contents de ça. Oui. On voudrait remercier l'École Monseigneur Fortier, l'École Les Sources avec qui on a fait l'activité à l'Oiseau Bleu aujourd'hui, l'École Les Citelles, Groupe Jeunesse Beauce, tous les bénévoles de la BBS qui se sont impliqués, la population en général qui a embarqué dans un peu cet élan de magie-là, puis l'École Les Deux Rives. Donc, merci beaucoup à tout le monde. Puis aussi, en même temps, l'association bénévole, ben notre logo, c'est un soleil, mais en même temps, au-delà du soleil, c'est que on veut semer du soleil dans la vie des gens, on veut créer des étoiles, puis on est là pour ça, donc c'est un peu l'idée du projet, ça vient en même temps avec tout ce qu'on est à l'association bénévole.